Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour 24 heures avec un nouveau-né. Je suis rentrée de la maternité hier et du coup, mon accouchement, c'était il y a 4 jours. C'est le cinquième jour aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi pour 24 heures très réalistes avec un nouveau-né. Du coup là il est actuellement 16h30, on a fait une petite tétée et Eden s'est endormi dans mes bras, il s'est réveillé un peu au moment où je l'ai posé, mais j'imagine que là il doit déjà être en train de dormir et du coup moi je vais en profiter pour manger un petit quelque chose. J'ai très 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 envie d'un bol de céréales, du coup je vais faire ça tout de suite. Pendant qu'on est dans la cuisine là, en train de s'occuper des repas, je vais sortir un truc du congélateur pour demain. Du coup, j'ai préparé en fait plein de trucs au congélateur pour avoir des repas pour les jours qui suivent. Et ça, j'ai pas vraiment besoin de cuisiner. Je vais regarder ce que j'ai. On va partir là-dessus. C'est un petit... yes, je crois que c'est un curry d'épinards avec des pois chiches dedans. Du coup, il faudra juste que je fasse du riz avec demain. Et donc ça, je vais le laisser décongeler. Et pour ce soir, j'ai un petit gratin de pâtes qu'il faut juste que je mette au four. Là déjà, je vais manger mes petites céréales, me poser dans mon lit, lire un peu. Ou peut-être regarder une vidéo. Mais en tout cas, me poser tranquillement dans mon lit et essayer de me reposer le plus possible. De toute façon, là, c'est le mot d'ordre de ces prochains jours. Et regardez-moi ça. T'es en train de regarder autour de toi. À tes souhaits. Il a eu énormément de mal à s'endormir là tout à l'heure, vraiment. J'ai dû essayer plein de petites choses, la machine à bruit blanc, les bercements, tétés, tout ça.
Il s'est endormi tant bien que mal. Du coup, j'ai pu manger mon petit repas du soir. Je me suis mis dans le salon pour ne pas l'embêter. Normalement, je l'aurais mangé dans mon lit sinon. Et je me suis dépêchée aussi parce que je savais pas combien de temps j'avais devant moi. Là, ça fait 10 minutes qu'il y a un peu de calme, mais je sais pas si il dort vraiment encore. Du coup, je vais aller vérifier ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que on n'a pas encore eu notre nuit de la Java, comme elle s'appelle. Ça fait quand même déjà 2-3 nuits qu'on a passé. Mais je me rappelle qu'avec Léandre aussi, ça n'avait pas été la deuxième, la troisième nuit, ça avait été un peu plus tard. Donc ça se trouve, ça se trouve, c'est aujourd'hui. Donc voilà, on va voir comment la nuit va se passer. Là, je vais me brosser les dents, me préparer pour aller dormir. Ah oui, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai mis les couches dans le lave-linge. Je lancerai ça demain matin parce que c'est un cycle assez long. Comme ça, au moins, c'est déjà dedans. Je vais aller me brosser les dents là. Et puis ensuite, il faut encore que je prépare deux petites couches pour la nuit. Et comme ça, je peux faire l'échange dans mon lit pendant la nuit. Pas besoin de me lever. Et puis, je vais aller dormir. Il n'est pas très très tard. Je crois qu'il est 19h. Mais je vous avoue que je suis fatiguée. Et que je pense que ça va être une nuit plutôt mouvementée. Et du coup, bah, je vais aller dormir. Comme je l'avais déjà soupçonné hier soir, on a en effet passé une nuit un peu difficile. Enfin, la nuit en soi n'était pas difficile. C'était l'endormissement qui était très très difficile. Vraiment, il a pleuré, pleuré, pleuré. Mais vraiment des cris de peur parce que bon, il se retrouve tout d'un coup dans un nouvel environnement. On vient de rentrer à la maison. Il est plus dans le ventre de maman. Plus les mêmes sons, plus les mêmes odeurs, plus les mêmes goûts, plus tout est différent. Et je pense que là, le fait qu'on soit arrivé à la maison, que moi je me sois détendue aussi, parce que du coup quand j'étais à l'hôpital, j'étais pas du tout détendue. J'imagine qu'il a ressenti ça et que du coup, bah, les premières nuits se sont plutôt bien passées. Et là, il a tout laissé sortir. Jusqu'à 22h, on était réveillés. Il n'arrivait pas à dormir. Je pense qu'au bout d'un moment, il était juste épuisé. Et il s'est endormi. La nuit ensuite était plutôt cool. Il s'est réveillé une fois à 3h pour téter. Et puis ce matin, une fois à 5h. J'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai pas de belles images de moi dans la nuit, dans la chambre de bébé en train d'allaiter ou quoi. Parce que comme on fait du cododo et que j'allaite en cododo, eh bien, c'est juste, je lève mon t-shirt, je mets mon enfant. Et on continue tous les deux à dormir. Ce qui fait que bah du coup, on a plutôt bien dormi, enfin j'ai plutôt bien dormi. Là il est un peu avant 7h, moi je vais manger mon petit déjeuner ici pour ne pas l'embêter et pas allumer de lumière dans la chambre. Mais dès que j'ai fini, je vais me mettre avec mon ordi dans le lit et commencer à finaliser tous les papiers administratifs que je dois déposer là ces prochains jours. Donc on va voir si j'arrive à tout faire. Et puis de toute façon, à 9h, j'ai ma sage-femme qui vient aujourd'hui me voir pour voir bébé, peut le peser, regarder comment il va, tout ça, le cordon. Et puis regarder aussi comment moi je vais, comment moi tout se rétablit petit à petit. Voilà. Nous aider un peu au quotidien. Et d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui se demandent où se trouve mon premier enfant, il est actuellement chez son papa. C'est lui qui l'amène au jardin d'enfants, qui le récupère et puis il dort chez lui aussi là pour cette semaine. Au week-end, on va essayer de réinstaurer un peu plus le fait de faire les siestes à la maison, de dormir ici et commencer un peu ce rythme du coup de nouvelle petite famille à trois. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Là, j'ai encore quelques jours toute seule. Et puis, ils viendront très probablement nous rendre visite cet après-midi pour me voir moi, pour voir bébé, pour être un peu là. Et dernier petit point duquel je ne dois pas m'occuper non plus là pendant cette semaine, c'est sortir le chien, étant donné que du coup, j'ai quelqu'un qui vient sortir le chien le matin et l'après-midi. Comme ça, là,
j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc, je vais manger mon petit déjeuner, me caler dans mon lit et essayer d'avancer sur toute cette paperasse. Ma sage-femme vient de partir. Elle a fait tous les check-ups nécessaires. Tout le monde va très bien. Eden se développe parfaitement. Il prend du poids comme il faut. Le cordon est en train de sécher et de partir comme il se doit. C'est super. Moi aussi, mon petit ventre, ça se passe très très bien. D'ailleurs, attendez. Voilà où on en est à peu près une semaine après l'accouchement. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est allé beaucoup plus vite que la dernière fois. C'est encore tout mou, mais j'ai l'impression que le ventre est rentré beaucoup plus rapidement que la fois passée. Ah oui, je porte toujours les petites culottes de l'hôpital. Je les trouve trop agréables à porter parce que du coup ça serre nulle part, c'est génial. Et par contre, je porte encore les espèces de gros inserts là, les presque couches pour récupérer tout le flux. Ça aussi, ça se passe très très bien, donc on est sur la bonne voie. Et là, tant que le petit est en train de dormir, moi je vais profiter pour prendre une bonne douche et me sentir un peu plus propre. Il est actuellement midi, je me suis posée à prévoir de jour mon lit et je me suis directement endormie. Du coup, j'ai fait une petite sieste et là, je suis en train de réchauffer la nourriture. Mon eau est en train de bouillir. Il faudrait que j'aie le riz. Ah, c'est vous qui pesez sur le riz. 2 secondes. Du coup, je disais, il est midi. La dernière tétée de Eden était il y a 3 heures quand ma sage-femme était là. Donc j'imagine qu'il va bientôt se réveiller, il était en train de dormir là tout le temps. Donc moi je dormais à côté. Et là, moi j'ai déjà très faim. Encore que j'attends 10 minutes avant que le riz soit fini. Du coup, je vais manger un petit bout de gâteau. On m'a offert un gâteau pour la naissance du petit à l'hôpital. Du coup, ça me fait un petit snack à manger comme ça. Mais bah bon quoi. C'est pas de refus. D'ailleurs, comme l'accouchement s'est passé un tout autre moment que prévu, j'ai plein de trucs chez moi qui sont périssables, comme par exemple ces bananes. Il va falloir que je trouve une petite recette de gâteau à la banane, un truc un peu sucré. Une fois que j'aurai fini mon gâteau, que j'ai quand même des petits trucs à manger entre temps. Est-ce que j'ai tout? Oui, je crois. Bon, en attendant que le riz finisse, je pense que je vais assembler tout ça et mettre ça au four. Le gâteau à la banane était super rapide entre temps. Mon riz est terminé, j'en ai fait un peu plus parce que je sais que j'ai d'autres repas dans le congélateur qui vont avoir besoin de riz pour les prochains jours. Du coup, comme ça, je ne devrais pas en refaire. J'ai fini mon petit plat. Je vais aller me rallonger dans mon lit parce que je sens que là, ma pression artérielle est en train de rebaisser. Et avant de me mettre au lit, je vais mettre le timer sur le four parce que comme ça, au cas où je m'endors ou je peux pas me lever parce que je suis en train de faire une tétée, le four va s'éteindre tout seul et ne va pas cramer l'intégralité de ma maison. Ça c'est quand même super pratique. Allez. Ah, ça dort toujours de ce côté-là.
toi. Bon, il faudrait qu'on aille se changer. Il faudrait qu'on aille changer ta couche, mon amour. Et il faudrait aussi qu'on se change parce que je viens de me faire recracher du lait dessus. Il y en a plein sur son pull, il y en a plein sur son pyjama. Mais comme vous le voyez, c'est endormi. Du coup, je vais attendre encore un peu. Et puis, on va aller se changer. Pas tout de suite. Après une petite heure de repos supplémentaire, j'ai pu me lever, ranger deux, trois petites choses dans la chambre des petits et aussi me changer moi avant de pouvoir changer Eden. Et j'ai totalement arrêté de vlogger après ça, étant donné que pas longtemps après, Léandre est arrivé à la maison et du coup, j'ai pris ce temps pour me concentrer à fond sur du coup ces premières rencontres entre les deux frères. C'est vraiment des petit moment hyper magique et que je chérirai à toujours dans ma mémoire. Et vous inquiétez pas, vous allez les voir de toute façon tous les deux dans les prochains vlogs que j'ai déjà filmés et qui vont arriver dans ces prochains jours. J'ai très 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 hâte de vous retrouver pour toutes ces nouvelles petites aventures. Et d'ici là, bah, je vous fais plein plein de bisous.